Get ready. Toi, j'ai presque envie de dire que tu es un petit peu tombé dans le bac de révélateur à l'âge de 17 ans. C'est à cet âge-là que tu as découvert la photo. Oui, absolument. C'est à cet âge-là surtout que j'ai pu me payer mon premier appareil photo argentique avec deux optiques. Et donc, c'était pour moi quelque chose d'extraordinaire puisque j'ai pu finalement faire mon premier reportage photo. C'était l'Urbex. Et donc, c'était une vieille caserne militaire qui était au centre-ville, de Mulhouse. Alors l'Urbex, on peut peut-être préciser de quoi il s'agit, quelle est cette spécialité? Tout le monde ne connaît pas ce terme encore. Voilà, c'est finalement faire des photos de vieux bâtiments qui sont abandonnés, que ce soit industriel, que ce soit finalement au centre-ville d'une ville ou alors effectivement ailleurs. Donc c'est vraiment prendre en photo des lieux abandonnés. Voilà. C'est ce par quoi tu avais commencé, donc très jeune. Oui, mais très simplement parce que j'aimais ce bâtiment, c'était une caserne militaire, et puis c'était mon appareil photo, c'était le premier que j'avais envie de m'amuser un peu, et c'est comme ça, ça m'a donné un petit peu goût à la photo argentique, puisqu'à l'époque c'était que de la photo argentique, donc une pellicule avec un certain nombre de photos à pouvoir faire. Mais alors aujourd'hui tu fais toujours de la photo argentique, hein? Non, je n'en fais plus, je suis passé au numérique, parce que bon, aujourd'hui il faut vivre avec son temps, il faut vivre avec finalement le matériel qu'on utilise, et que le numérique est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Je ne m'interdis pas à l'avenir de revenir à l'argentique, mais pour mes projets actuels, je suis au numérique. Alors parlons un peu de cette exposition Mascarade. Pourquoi ce titre d'abord Mascarade? Je n'ai pas réussi, j'ai cherché le lien entre ces triptyques, dont celui qui est derrière toi, avec notre ami Abdoudé, le chanteur que tout le monde connaît bien. Le lien donc entre ces triptyques qui représentent trois portraits d'une même personnalité et ce titre Mascarade. Écoute, tu es le premier journaliste à me poser cette question, n'est-ce pas? Eh bien écoute, Mascarade, c'est finalement s'amuser un petit peu, avoir un masque. Voilà, et j'ai voulu, avec les personnalités publiques du monde culturel que je côtoie depuis un certain nombre d'années, j'ai voulu finalement montrer une autre image d'eux. Finalement, les hommes publics ou les femmes publiques ont l'habitude de gérer leur image face à leur public, face aux médias. Et j'avais envie de montrer une autre image, celle qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et finalement, c'est aussi quelque chose... mascarade, quoi, parce que c'est pas réel, c'est pas vrai, parce que finalement c'est moi qui leur imposais le sourire, c'est moi qui leur imposais qu'ils soient impassibles, neutres ou qu'ils soient en colère, mais c'est pas quelque chose qu'ils font devant les gens. Donc voilà, c'était une façon pour moi de jouer un petit peu avec eux la mascarade et jouer sur avec leur visage. Voilà. C'est ça, tu leur demandais à chaque fois de prendre trois expressions de visage, la neutralité, la joie, le plaisir et puis la colère. Voilà, c'était le sourire, la neutralité et la colère. En gros, comme le théâtre. Le théâtre, il y a deux masques, mascarade un petit peu, voilà. C'était le côté triste, le côté joyeux. Malheureusement, je me suis rendu compte au début du projet que la tristesse, c'était pas évident à exprimer et surjouer, puisque la photo s'est figée à un moment précis la personne, et que c'était pas toujours évident de surjouer. Donc la tristesse, c'était une catastrophe. Donc je me suis dit, on va surjouer la colère. Et la colère, finalement, c'était un peu plus simple. Alors cette idée, tu l'avais initiée d'abord avec des monsieur et madame tout le monde, avec des enfants, des inconnus, pas forcément des personnes du monde culturel. Et je crois que tu vas maintenant la développer encore avec les personnes que tu rencontres de la rue, avec les gens de la rue. Oui, alors... Le fin mot de l'histoire, c'est que ça a commencé avec les artistes, mascarade artistique. C'était vraiment avec des gens que je côtoyais. Hein, parce que l'idée vraiment de montrer des personnalités publiques sous un autre visage, enfin sous un autre jour, voilà, c'est ça qui m'intéressait. Finalement, ensuite, je me suis rendu compte que c'est bien d'avoir des personnalités, mais après, il y a aussi les gens lambda, finalement, les habitants du quartier, qui sont aussi intéressants. Et là, j'ai un projet qui s'appelle Mascarade urbaine et qui...
comme la Galerie Mieux se situe dans le quartier Outre-Seille à Metz, donc c'est le vieux Metz, j'avais envie finalement de faire des photos, et ça va se faire dans quelques semaines, des photos avec les habitants et avec les commerçants du quartier pour montrer finalement un autre visage du quartier. Finalement, on dit que le centre-ville, l'hypercentre, le vieux quartier de Metz, bah, finalement il y a beaucoup de commerces qui sont en perdition, beaucoup de cellules commerciales qui sont vides. Voilà, il y a une image où personne ne vient ici parce qu'on dit que c'est mal fréquenté, etc. Et ben non, j'ai envie de montrer que le quartier est finalement bien fréquenté, qu'on s'y plaît, qu'il y a des habitants, qu'il y a des commerçants. Et comme finalement ici, avec les artistes d'envergure régionale dans le milieu de la culture, et ben j'ai envie de montrer que le quartier, à travers ses habitants et ses commerçants, et ben il y a une belle image, quoi. Donc voilà, c'était le petit truc. Et finalement, le projet va débuter dans quelques semaines. Écoute, je te le confirme, hein, ce quartier, je l'ai quitté il y a 8 ans, j'y ai vécu 13 ans à deux rues d'ici, et c'est vrai que je me sentais comme dans un village, dans ce quartier. C'est vraiment l'idée que j'en avais. Je l'ai quitté parce que j'avais de la circulation sous mes fenêtres et que ça devenait un peu insupportable. Le centre-ville, c'est un petit peu compliqué à vivre au quotidien. Alors, ces fameuses personnalités qui sont actuellement exposées à la Galerie Mur, alors j'ai reconnu, on parlait d'Abdoudé, par exemple, il y a Amel, notre rockeuse préférée, mais il y a également d'autres personnes qui viennent des arts plastiques, qui sont, par exemple, le directeur de Pompidou. Oui, voilà, Laurent Lebon. Donc, Laurent Lebon, il y a Charles Tarchman, qui est donc le dramaturge et metteur en scène, et aussi le fondateur du festival Passage. Il y a aussi Jean-François Ramon, qui est donc le directeur général de l'Arsenal, les Trinitaires et bientôt la boîte à musique, la BAM de Metz. Voilà, j'ai Philippe Krief qui a fait les demi-finales de la Nouvelle Star et qui est aussi chanteur d'un groupe qui s'appelle Backstage Rodeo. Voilà, donc il y a vraiment différents milieux culturels dans de différents domaines. Et je me suis éclaté, je me suis vraiment fait plaisir à rencontrer ces personnalités. Et finalement, je pensais que la difficulté qu'ils jouent à mon jeu soit leur situation professionnelle, hein, parce que bon, le directeur du Centre Pompidou-Metz, c'est quand même. Voilà, c'est le directeur quand même. Et ben finalement, c'était très très simple. Finalement, la difficulté du projet, c'était plutôt les femmes. Les femmes ont été plus réticentes à jouer le jeu, à jouer de leur visage pour les expressions. Et voilà, c'était ce qui était plus compliqué, quoi. Mais c'est la question que je me suis posée lorsque j'ai vu les photos de cette exposition, enfin de cette série plutôt, sur ton site. Je me suis demandé comment est-ce qu'on réussit à convaincre certaines de ces personnalités. Est-ce que tu es amie avec elles ou est-ce que c'est un travail de persuasion, c'est... Bon, après, c'est vrai que dans une vie antérieure, j'ai été journaliste, donc je les ai côtoyés d'une façon professionnelle, et puis bon, je côtoyais aussi le monde de la photo, et au culot. Moi, je suis au culot, j'ai toujours fait de façon, qui tente rien à rien, pour la plupart. Il y en a certains que je connaissais de façon personnelle, donc je leur ai demandé, voilà, j'ai un projet, est-ce que ça t'intéresserait de participer? Ils m'ont dit oui, ils m'ont dit non. Et puis pour ceux et celles qui étaient vraiment très professionnels, je dis voilà, j'ai envoyé un mail en disant voilà, j'ai un projet qui consiste à faire un triptyque sur les expressions du visage. Et puis je leur ai expliqué le projet. Et globalement, à 95%, ils ont accepté. Finalement, la problématique, c'était plutôt les plannings pour savoir, oui, ben là, on aura le temps, on n'aura pas le temps. Mais finalement, et là, j'ai encore une bonne dizaine d'artistes et ou de personnalités dans le domaine de la culture en Lorraine et même au niveau national. Bon, je ne peux pas dire les noms parce que je n'ai pas envie que ça me porte la poisse. Finalement, ça ne se passe pas. Ils sont OK, mais c'est juste une question de planning, quoi. Et comme ils doivent venir sur Metz dans mes locaux, et dans mon studio, et ben, finalement, c'est un peu plus compliqué, quoi. Mais non, finalement, pas très compliqué pour les persuader à jouer ce jeu de rôle qu'elle est leur. Donc voilà. Alors moi, dans une autre vie, j'ai fait un peu de photos aussi, et j'ai vu tout à l'heure avec émotion un agrandisseur que tu exposes ici, et qui était celui de mes 14 ans, celui que mon père m'a offert, mon premier agrandisseur d'Hearst quand j'avais 14 ans. Et moi, en regardant tes photos, avec ce petit œil d'amateur un peu éclairé, je me suis dit que ça n'a l'air de rien comme ça, ces triptyques, mais c'est quand même un travail pas possible. Je les ai observés de près, presque à la loupe, je m'aperçois qu'il n'y a vraiment aucune fausse note au niveau du cadrage, au niveau de l'éclairage, du contraste. C'est vraiment, elles sont toutes identiques. C'est un travail de malade. Comment est-ce que tu réussis à obtenir ces images-là, cette même lumière, ces mêmes contrastes, parce qu'il faut penser à la prise de vue, mais après aussi au tirage, etc. C'est quand même, il y a quand même tellement de paramètres qui, quand on connaît un petit peu la photo, là, qui entrent en jeu, qu'on se dit que c'est quand même un travail fabuleux qu'on voit ici.
Bah, disons, je suis assez maniaque sur ce que je fais, je suis même monomaniaque. Donc, c'est vrai que, alors, concernant la technique, il est vrai que chaque personnalité qui est venue me voir, et quel que soit même leur poste ou les prochaines avec les habitants du quartier, au niveau technique, c'est pareil, ce sera pareil. Donc, c'est-à-dire au niveau de la distance, le siège, le fond, la luminosité, etc., identique. Le cadrage, bref, tout le monde est logé à la même enseigne. Ensuite, ce qui peut jouer, techniquement parlant, c'est ben, un budet qui est quelqu'un de couleur. Avec la lumière, ça ne joue pas de la même façon que quelqu'un qui est blanc. Voilà, je veux dire, après, les choses naturelles de la vie font que. Donc là, après, je vais travailler de façon post-production sur les tirages de façon à avoir une sensibilité proche, voire identique. Après, oui, j'aime le détail. Donc c'est vrai que j'aime les visages, j'aime les personnalités, j'aime ce qu'elles sont et j'ai envie que ce soit vrai, réel. Elles sont ridées, bah, elles le sont. Elles sont pas ridées, bah, tant mieux. Elles sourient pas. Voilà, j'aime vraiment la netteté. Voilà, c'est peut-être ce côté un peu de la photo, mais j'aime quelque chose de net. Et ça m'est déjà arrivé de faire des centaines de photos et n'en garder que deux parce qu'elles étaient nettes. Et même celles que j'aimais au niveau de la forme, ça me convenait pas parce qu'elles n'étaient pas nettes. Et voilà, c'est ce côté. Toutes les photos-là, elles sont nettes, elles sont précises. C'est un accent précis de ces gens et je m'explique pas, c'est comme ça. Si ça ne convient pas, je jette. En tout cas, c'est l'occasion rêvée de voir ou de revoir certaines personnalités connues ou qu'on connaît un peu moins, d'une façon qu'on n'a pas l'habitude de voir d'habitude. Ici, dans cette très chouette petite galerie, toute petite mais tellement chaleureuse, la galerie Mur, que je découvre aujourd'hui, 32 rue des Allemands à Metz. Merci beaucoup, Janvier. Merci. Get ready.